دائما مع الدورة الدولية للفيفا، حيث قاد نجم بوليفيا راميرو فاكا منتخب بلاده للفوز على أندورا بهدف دون رد على ملعب 19 من مابي عنابة. وسجل فاكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 ليمنح بوليفيا انتصارها الوحيد في هذه البطولة بعد هزيمتها أمام الجزائر في المباراة الأولى، بينما اكتفى منتخب أندورا بتعادله الإيجابي في مباراة الافتتاح أمام جنوب أفريقيا. On a fait une belle semaine de préparation. Ce n'est pas évident dans ce calendrier de trouver autant de jours pour se préparer. Et au niveau de jeu, c'est vrai qu'à la première moitié, on a eu encore quelques occasions, même aussi à la deuxième mi-temps, et surtout avec des actions de stratégie. Mais c'est ça, il nous a manqué un petit peu de... Bonsoir tout le monde. On a fait un premier match avec l'Algérie. On pense très bon. On a fait un match avec une équipe qui a l'habitude de se qualifier à les Coupes du Monde, comme c'est l'Algérie. On pense que on avait aujourd'hui l'obligation de gagner. On l'a fait. On sentait qu'on devait rentrer chez nous avec une victoire, comme on l'a fait. Alors maintenant, on va penser à l'avenir. On a un match important en juin. On a une Coupe d'Amérique et on va se préparer pour ça.